Tout le monde en place. La caméra du drone est activée. On y va. Dans 3, 2, 1, action! Bonjour, je suis Anwar Knight. Bienvenue dans l'édifice de l'Assemblée législative de l'Ontario, un monument emblématique qui accueille le gouvernement de l'Ontario depuis 1893. Je suis Amanda Cupido et nous sommes ravis de partager des histoires fascinantes sur l'histoire de ce bâtiment et sur les centaines de personnes qui y travaillent à l'intérieur. Et à l'extérieur, dans l'un des premiers parcs municipaux du Canada, nous explorons le fonctionnement de la démocratie en Ontario, toujours en constante évolution. Salut, je m'appelle Kevin Gallagher et nous vous expliquons le processus législatif afin que vous compreniez comment le travail ici a un effet sur votre vie. Vous reconnaissez peut-être la Chambre, c'est là que tant de décisions cruciales sont prises. C'est aussi comme un musée. Regardez les peintures à l'huile sur les plafonds. Elles ont été peintes à la main il y a plus d'un siècle par l'artiste germano-canadien Gustav Hahn. Et son frère Emmanuel a également laissé sa marque. Il a dessiné le caribou sur notre pièce de monnaie. Oh, wow, c'est génial! C'est si intéressant d'en apprendre davantage sur toutes les personnes qui travaillent pour le Parlement de l'Ontario, comme les bibliothécaires qui s'occupent des archives, ou les interprètes qui permettent de suivre les débats en anglais et français, et même récemment en Ojikri, et l'équipe de télédiffusion et d'enregistrement. Dont nous faisons tous partie, l'équipe qui permet de capturer des moments importants de l'histoire. Rejoignez-nous pour que nous parlions des règles et des procédures qui aident à guider les débats qui façonnent l'avenir de l'Ontario. Découvrez-en davantage sur nos réseaux sociaux ou sur notre site web. Ou rejoignez-nous en personne pour une visite guidée lors de nos nombreux événements et regardez notre chaîne de télévision parlementaire pour un regard continu et inédit sur ce bijou historique au cœur de la ville de Toronto. Merci de nous avoir suivis.